Bonjour, chers téléspectateurs de Numérique à Télévision, particulièrement de votre émission 1001 Visages. 1001 Visages, pour cette semaine, nous allons recevoir une dame avec son équipe. Elle nous revient des États-Unis. Elle va nous parler de leur ONG Bilenge Bwanya ya Congo, où Nakatia ONG Wana, Bazana, activité Moko, Baz organisé Bilenge Yekola. Donc, je crois que j'ai pu parler en quelques mots de ce qu'elles sont en train de faire. Et donc, c'est avec elles nous allons prendre, c'est avec eux, disons, que nous allons prendre tout au plus 30 minutes de cette émission. Et en dehors de ce que nous allons parler avec elles, et dans cette émission, nous avons l'habitude de prendre des éléments surprise également. Et il y a une personne qui a voulu dire un mot sur, la dame qui est avec nous. Et nous allons le suivre également. Et puis, nous allons commenter avec elle. Directement, nous allons prendre cet élément qu'elle a pu réaliser quand elle était de l'autre côté des États-Unis. Et on se retrouve tout juste après cet élément pour entamer et continuer cette émission. Que feriez-vous si aujourd'hui vous rencontriez un jeune qui a beaucoup de potentiel, mais seulement il n'a pas accès aux ressources nécessaires pour l'aider à explorer tous ses potentiels? Salut, je suis Stella Wankamba, présidente de l'association Bilenge Bwanya ya Congo. Bilenge Bwanya ya Congo est une association sans but lucratif qui a pour objectif de rendre une éducation de qualité accessible à tous. En 2018, lors de notre voyage au Congo, nous avions eu la chance de visiter une association Vico à Kimwenza. Cette association s'occupe des familles défavorisées et nous avions eu la chance de rencontrer de jeunes qui ont beaucoup de potentiel, mais seulement il y a un problème. Ils n'ont pas accès aux ressources nécessaires pour les aider à explorer tous ces potentiels qu'ils ont. Et c'est ainsi que le projet Yekola a vu le jour. Yekola a pour objectif de doter ces jeunes des outils nécessaires pour les aider à exploiter tous les potentiels qu'ils ont en eux. Ce qui est une contribution à la croissance économique du pays dans le cadre de la création d'emplois et d'appui à l'innovation. Yekola va fournir des formations professionnelles en informatique, infographie et tant d'autres domaines. Nous vous invitons à faire partie de ce projet en achetant un t-shirt Yekola ou encore en nous faisant un don en ligne. Vous pouvez aussi visiter notre site web www.bilenge-bwanya-congo.com et merci beaucoup à vous et au revoir. Yekola. Oui, merci beaucoup. Donc là, vous avez directement compris, vous avez l'idée de c'est ce que nous allons parler aujourd'hui avec l'équipe de Yekola qui sont là. Bonjour. Bonjour. Et nous allons commencer avec Stella, celle que nous venons de voir tout à l'heure. Et bonjour et bonjour Stella. Bonjour. Et comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous? Une petite présentation de Stella. Qui est Stella? Elle vient d'où? Et parle-nous un peu de vous. En fait, je m'appelle Stella Wankamba. Okay. Je suis présidente de l'association Bilenge Bwanya ya Congo. Okay. Et je vis présentement aux États-Unis. J'ai mon diplôme en psychologie et je crois que je l'ai déjà dit, je suis la présidente de Bilenge Bwanya ya Congo. Et voilà, nous travaillons sur un projet Yekola, c'est ça. Et vous résidez aux États-Unis, oui. Et vous revenez à Kinshasa pour un projet. C'est vrai que nous allons parler du projet. Mais aux États-Unis, on a dit, non, c'est l'homme, c'était pas dans le Congo. Si on a voyagé à qui il vit aux États-Unis, en Europe, les États-Unis d'abord, c'est le rêve américain. Il va faire autre chose, il va penser à comment on est commerçant, à karaté, kaka. Mais vous, vous allez revenir avec un projet. C'était quoi, en fait, l'objectif? Bilenge Bwanya au Congo a commencé il y a 5 ans. Okay. Mon idée derrière ça, c'était d'abord l'éducation. Parce que je réfléchissais, je pensais souvent à mon pays et je me disais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je pourrais apporter de différent pour le Congo. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas, on peut dire. Alors je me suis toujours dit que pour qu'un pays avance, c'est les peuples qui changent son pays. Voilà, et c'est comme ça que l'idée des Bilenge Bwanya Congo est venue. Et parce que je me dis aussi le secret pour que notre pays change, c'est l'éducation, non pas seulement école, diplôme, mais l'éducation de l'humain entièrement. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis spécialisée en psychologie. Okay.
Et quand vous parlez de l'éducation, na Congo, on est plus basé sur la culture, l'art. Est-ce que vous avez pensé à former, disons, à donner de l'éducation aux jeunes qui veulent devenir des artistes? Parce que au bazar, na masse, au bazali, éduquer peuple de par leurs activités, c'est les comédiens, les musiciens. Mais est-ce que vous pensez un peu, vous vous basez un peu sur eux aussi, ou bien ils arrivent à l'éducation, entre guillemets, les enfants de la rue? Parce que trop ça, on en a trop entendu parler, les enfants de la rue, les ceci, les cela. Mais au bazar, peut-être un métier n'a pas déjà en main, entre autres, comme je dis, les artistes, et on peut les accompagner aussi. Oui, le projet Yekola, c'est un projet d'opportunité. Comme on l'a dit un peu, ce sont les ressources qui rencontrent le potentiel. Comme vous l'avez dit, au Congo, il y a beaucoup de potentiel, mais seulement nous avons un problème de ressources disponibles pour explorer ces potentiels. Alors, Yekola va dans ce sens-là. Et c'est aussi pour explorer les passions de gens. Si quelqu'un rencontre un jeune, c'est vrai que maintenant, là, nous commençons avec les jeunes, le jeune qui vit dans des conditions désavantageuses. Mais si sur notre route, nous rencontrions un jeune qui est talentueux en ce qui concerne la musique, l'art, pourquoi pas, on va l'accompagner, parce que c'est ça, mais on voudrait qu'à ça s'ajoute l'effet qu'il comprenne qu'il pourrait aller plus loin, il pourrait rêver plus grand, il pourrait explorer tous les potentiels que cet enfant ou ce jeune a en lui. C'est un tout petit peu ça. Merci beaucoup, c'est là, je reviens à vous tout à l'heure, et nous allons prendre la personne qui est juste à côté, et il va se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment vous dites, vous pouvez juste bouger le micro. Voilà, merci. Bonjour, je réponds au nom des gens de Dieu Makombo. Ok. Je suis finaliste en droit. Ok. Et je suis chargé, au sein de l'organisation, je suis chargé des relations internationales avec les sponsors, avec les contacts extérieurs. Ok. Et j'étais séduit lorsque Stella m'a parlé du projet concernant l'éducation. Pourquoi? Parce que il est pour nous aussi un devoir de participer à la culture de notre pays. C'est pour nous un devoir de permettre à ceux qui sont en bas d'élever pour atteindre les niveaux qu'ils rêvent. Et certaines personnes, malgré leurs rêves, mais n'ont pas les moyens pour arriver jusqu'au bout. Raison pour laquelle nous avons voulu participer à ces projets, les faire grandir et permettre à chacun de rêver. Pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'y rêve pas, c'est un peuple qui n'a pas de route. Et la raison pour laquelle on veut être les grands rêveurs, les doux rêveurs pour faire grandir ces pays qui est le nôtre, la RDC. Quels sont les contacts que vous êtes chargé de relations extérieures? Relations extérieures. Oui. Vous avez déjà des contacts ou vous avez déjà établi, ou bien vous commencez d'abord avec les relations ici en RDC, à Kinshasa, là où nous vivons bien sûr, ou bien Bandapé, moi deux ou trois, parce que sûrement votre structure, comme on est au début de l'année, vous avez un projet, le projet Yekola d'ailleurs, et vous avez un événement que vous organisez, nous allons en parler tout à l'heure. Et où j'ai suivi tout à l'heure, il y a des ventes de t-shirts, tout ça. Vous, en tant que chargé de relations extérieures, et ici en RDC ou bien les pays qui nous environnent, vous avez déjà des contacts? Oui, nous avons quelques contacts, qu'ils soient au sein de la République ou à l'extérieur. À l'extérieur, avec quelques amis qui sont allés étudier à l'étranger pour continuer à l'étranger. Et les contacts que nous avons avec eux, c'est pourquoi nous savons l'ONG, certes, il émerge encore en RDC, mais seul on ne pourra pas laver les visages. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de leur aide, nous avons besoin de leur soutien. Donc, il parle de l'ONG qui valorise ce qu'est la RDC, qui valorise ce qu'est la jeunesse congolaise. En changeant cette image qu'on avait au passé, que non, ce sont des jeunes qui n'étudient pas, ce sont des jeunes qui sont ceci, ce sont des jeunes qui sont cela. La raison pour laquelle, en intégrant ce projet, je demandais à Stella si je peux m'occuper de l'extérieur, contacter deux, trois Batunanga pour maintenir ce poids, quoi. Qui évangélisent pour ce qui concerne les projets. Ça va, je reviendrai à vous également. Merci. Allons prendre le monsieur qui est juste à la gauche de Stella. Oui, bonjour. Bonjour. C'est comment le nom, présentez-vous, et puis qu'est-ce que vous faites dans Bilingue, Bwanya Congo, ou carrément dans le projet Yekola? Je m'appelle Lionel Kingala. Lionel Kingala. Okay. Dans la vie, je suis business developer manager. Mais avec le voilà, on aura rester là. On aura plus de. Bon, c'est au fait. C'est juste pour blaguer. C'est sont des postes. C'est juste un dit qu'on est un peu crispé. Au fait, un business development manager, ce sont des postes nouveaux, au fait, grâce à la digitalisation du monde qui se crée. On va peut-être développer à la fin. Mais dans le projet Yekola, je suis le manager du projet. J'essaie de manager Stella, la personne de Stella Wakaba, en tant que philanthrope.
et le projet Yekola. C'est donc c'est ça que mes responsabilités dans le projet Yekola. Ok. Et vos responsabilités dans le projet Yekola. Et mais comment avez-vous fait pour intégrer? Vous êtes un membre de la famille. Vous connaissez Stella depuis longtemps ou bien avec Stella, on se connaît depuis longtemps. Elle m'a vu grandir au fait. Mais elle m'a contacté parce qu'elle a vu ce que je faisais au fait. Parce que c'est depuis 2015 que je suis dans le monde, on va dire, du showbiz. Je manage, je fais de la photographie, des événements et tout ça. Elle m'a contacté, elle m'a demandé de pouvoir apporter mon apport concernant pas seulement la soirée qui sera le 28, mais aussi le projet qui est de donner les formations qui sera pendant l'été au fait. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus et elle a été séduite par mes capacités de travail et voilà, et on est là, on travaille pour la réussite au fait du projet. Merci beaucoup. Et avant de continuer avec le monsieur qui est juste au coin, nous allons rentrer de côté de la régie. Freddy Manzaka, si on peut prendre l'élément et surprise et conseil, on se retrouve tout juste après cet élément, Freddy. Bonjour tout le monde, spécialement bonjour à toi Blaise Kinsala et merci de nous recevoir cette merveilleuse femme qui est Stella Wankamba, que je salue aussi, avec son organisation Bilingue Boigné à Congo et toute l'équipe qui est avec toi, Stella Wankamba, je vous dis bonjour. Juste un petit mot concernant cette personne qui est Stella Wankamba. Je ne parlerai pas trop de Bilingue Boigné à Congo parce que la boss, it's already there. Elle est déjà là, elle est le brain, le cerveau moteur de Bilingue Boigné à Congo. Blaise Kinsala, toi, que j'appelle photocopie d'Adi Londolé à Kinshasa, quoi. Voilà, Stella Wankamba, une jeune dame qui s'est vraiment lancée dans ses études. Vous savez, ici, dans Touyara Bamboko, ce n'est pas facile. Ok, Yepé, na Bilinguignos à Bamboko, Europe, États-Unis, man. Elle a tout oublié, elle est restée focus dans ma Rambouya classe, que j'apprécie, que j'applaudis toujours à chaque fois que je la vois. Stella, you doing a good job. Let the Lord bless you, especially what you do. Nzamba pambolo, pambolo musala zosala. Tokanisaka mingi biso moko, mais yo osuki na kokanisa yo moko te, okanisipe bamisusu, entre autres bana. Éducation, c'est la vie. Sans l'éducation, des fois, tout ça coincé dans ma Rambouya belé. Mais yo, Ochie Makanison à l'éducation. Yango le projet Yekola. Nzamba pambola yo, atambusa makambu na yo malam. Équipe eza tout autour na yo, ba ya wana vraiment pona kozala kilo ya kokanga wana sete me ba aide yo bo matin ensemble na Bilingue Boigné à Congo. Ba réalisation ezali ebele na ebi ke okoko kisango. Voilà ce que je pouvais dire pour toi Stella. Nzamba sunga yo. Nzamba akubenisha. OK, bye. Oui, merci Freddy Manzaka. Donc là, c'était Tito Mongali Londolé, un frère, un designer, un mannequin Atia et Lelote Tongo. Nous avons défilé avec Tito également. Et très longtemps, un frère. Je sais que beaucoup de personnes, quand ils vont voir Tito en image, vous allez vraiment sur parce qu'il est parti il y a un bon bout de temps. Et je profiterai de l'occasion pour saluer comme ça le top modèle Aristote Tembo. Aristote Tembo, top modèle. Et bonjour à toi. Laetitia Lomboto, top modèle Béja. Laetitia Mozia, top modèle. Et pourquoi pas Madame Bangambe Tania Bambou Kinsala, top modèle. Et donc, Bango Bazaba Manke, donc, je comprenais directement. Je salue également Alexis Yamantia Yamamoto. Lui, il est depuis Paris, qui va suivre cette émission également via YouTube, le numéro 4 télévision. Aimé Lewa Bapandoukou, et aussi également, na Brésil, pourquoi pas saluer comme ça Dada Muzinga, lui, il est aux États-Unis. Dada Muzinga, bonjour à vous également. Et Stella, je reviens à vous. Donc, vous avez suivi le conseil de Tito. Et à l'objet, le remous est très capital sur l'éducation. C'est vrai que Tito, en étant artiste, parce que Tito, il a même fait du cinéma, tout ça. Et, mais il parle de l'éducation pour Nabissona Congo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Oui, quand vous avez
bien dit, l'éducation c'est vraiment important. Oui, vous savez, parce que même quand on devient artiste, on doit comprendre comment, par exemple, gérer son argent. Tout ça, ça fait partie de l'éducation financière. La personne doit comprendre, par exemple, comment gérer son image. Ça fait partie d'une éducation que nous devons recevoir. Vous voyez, donc c'est un tout petit peu ça. Et je suis d'accord avec lui que l'éducation, c'est vraiment important. Ça fait de nous, en tant que personnes, de personnes meilleures. Donc, je suis très d'accord avec lui. C'est parce que je suis un peu touchée, je ne m'attendais pas, en fait. Ok, c'est comme ça. Ça, c'est l'émission Mille et un visages. Nous avons des surprises comme ça. Je reviendrai un peu tout à l'heure. Nous allons prendre le frère qui est juste au coin. Et bonjour, et puis comment vous présenter, comment vous appelez, je ne sais pas si vous êtes pour le projet Yekola ou bien vous êtes dans le structure et bilingue Mundaya Komi. Je m'appelle Jire Kapanga, okay. Je suis membre de Bilingue Bonyo à Congo, okay. Coordonnateur pour Kinshasa. Okay. Ouais, je suis dans Bilingue Bonyo à Congo depuis 2017. Okay. Allez, vous êtes encore plus jeune alors. J'étais. Vous êtes encore plus jeune. Plus parce jeune. Que là, vous êtes jeune, mais en 2017, vous êtes encore plus jeune. Bon, je parais jeune, je ne sais pas si je me fais ça. Ok. Oui. Je suis licencié en sciences informatiques à l'Université de Kinshasa, okay. Maths Info, au département de Maths Info. Okay. Et dans l'IECOLA, je m'occupe de tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est informatique. Tu sais qui sera, tu sais qui va tourner autour de l'informatique, c'est moi qui m'occupe de ça. Okay. Merci beaucoup. Nous allons conclure avec vous tout juste après. Et je reviens à Stella. Stella, c'est quoi en fait l'événement en vue? Parle-nous un peu de cet événement et que vous avez prévu pour très bientôt. C'est quoi en fait? Le 28 février, on a un événement. C'est 28. Oui. 28 février, on a un événement. Ça sera pour lancer le projet officiellement parce que nous devons présenter le projet, l'expliquer. Parce que là, on l'explique juste en bref pour couper ça moins goût, quoi. Mais on va expliquer le projet, ce qu'il y a maintenant, ce qu'il y aura et les résultats que nous espérons avoir. Alors, il y aura le 28 février, ça sera la présentation du projet et puis la récolte de fonds. Parce que ces projets, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de mains. Et voilà pourquoi on aura la soirée et on espère qu'il y aura beaucoup de gens qui seront intéressés pour nous joindre dans ce projet. Et vous êtes dans un domaine où ça demande beaucoup de soutien, comme tu l'as dit. Mm-hmm. Est-ce que vous avez pu contacter le gouvernement, le ministère de l'Éducation et machin, toutes ces histoires-là? Vous avez pu leur contacter pour que Bozo Salé Loko Oiza pour l'intérêt à Congo? Alors il faut pas bosser là en haut, ma poche n'est bien au moko. Il faut moi aide moko boye et tout moko mon maman songolo ya monter ma malamu. Obélélié to zaka bonne volonté et puis bon ça va n'endenge n'anga moko na zon tamé. Je sais pas si vous pouvez répondre ou quelqu'un d'autre pour répondre. Non, ça dépend de ça. C'est au choix en fait. Ouais. Bon, pour contacter, nous avons contacté des autorités telles que le ministre de la formation professionnelle. Okay. Vu que c'est que Yekola va faire cadre, va dans le même sens que l'objectif du nouveau ministre de la formation professionnelle. Lui nous a déjà reçu, on a discuté avec lui et il nous a promis d'être là et de nous accompagner dans le projet. Et il y a aussi le ministre de l'éducation et de la jeunesse que nous sommes encore en train de parler, mais nous ne l'avons pas encore rencontré. Ça, c'est très important. Tu veux ajouter quelque chose? Il y a d'autres personnes aussi qui nous soutiennent, nos familles, nos amis, nos connaissances. C'est un projet vraiment qui ramène tout le monde ensemble. Ça, c'est pour Yekola, qui l'événement aura lieu le 28. Mais en objectif, c'est quoi en fait l'objectif? C'est vrai que c'est l'éducation, tout ça, mais Bilingue Bonyo à Congo, c'est vraiment vaste. Et vous visez quoi en fait? La plupart des ONG ici en RDC visent leur poche. C'est le contrat Moroboé. À Kokarandengen de Gazali, chargé de relations internationales, a contacté Gisogi, Nini Moroboé, il y a Bené, il y a transaction, moins 50 000 et côté. Au niveau ça, la barambita et Sengeli, alors qu'il y a un Moro Tchéché. Téléphone à Sikawana, il y a 1000 dollars. C'est en fait, c'est ce qui est en train de. De, 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 de,
d'affaiblir un peu certaines personnes pour n'avoir pas appuyé, maintenant en aide. C'est un peu ça. Je ne sais pas si quelqu'un peut répondre par rapport à ça. En ce qui concerne ça, ça fait 5 ans que Bilingue Boigny à Congo existe. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne nous connaissent pas, c'est parce que je voulais que mon équipe prenne du temps. Je voulais prendre... Parce que j'aime pas vraiment la précipitation. Parce que quand on se précipite, on ne se prépare pas bien. Je voulais en fait connaître mon équipe, chaque membre, là où, parce que j'ai visé vraiment l'intégrité. Et on a commencé à travailler sur nos fonds propres pendant 5 ans. Et c'était quelque chose de très important pour moi et mon équipe, pour que nous comprenions que nous ne faisons pas ça parce qu'on veut être riche ou parce qu'on veut s'enrichir, c'est parce qu'on veut aider les autres. Et pendant 5 ans, ça a demandé beaucoup de sacrifices, de temps et d'énergie. Et j'espère que ça, ça va faire... Oui, beaucoup de réalité en fait. Mais ils ont tenu bon jusque-là. Et je crois que ça a déjà montré les types de personnes avec lesquelles je vais travailler et les types de personnes que je suis. Parce que ça me tient à cœur, l'éducation. Notre objectif, c'est rendre une éducation de qualité accessible à tous. Parce que nous avons visité des écoles qui sont dans des conditions vraiment inexplicables et incompréhensibles. Et notre but, c'est vraiment aider ces écoles à s'améliorer dans la qualité ou dans les conditions. Alors, c'est ça vraiment l'objectif des Bilingue Boigny à Congo. Merci beaucoup. C'est vrai, nous sommes en train de chuter pour notre émission. Mais votre passage à la télé, vous vous attendez à quoi? C'est vrai que vous êtes venu à la télé. Ils ont été pour tomber à ma solo. Estella est bonne États-Unis. Balobarasoro bimimbo money Will Smith. Donc, on n'est pas là pour ça, mais vous êtes venu à la télé, c'est pour un mot, c'est pour quelque chose. C'est quoi, au fait, l'objectif? Je peux parler? Ok. Oui, donc on est venu à la télé pour sensibiliser les gens, faire comprendre le projet Yeko, là, d'abord, qui est le projet vraiment motrice de Bilingue Boigny à Congo, même si c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui vont venir. C'est donc au fait de conscientiser les gens, parce qu'on n'a peut-être pas bien développé sur Yekola, mais Yekola donne des formations professionnelles dans des métiers du temps moderne au fait. Par exemple la photographie. Aujourd'hui on a beaucoup de photographes, mais on veut au fait. Aujourd'hui on a beaucoup de photographes, mais qui ne gagnent pas bien leur vie au fait. Le but de Yekola, c'est comment former cette personne pour que vous soyez autonome financièrement. Donc on a la photographie, aujourd'hui on a les réseaux sociaux, il faut savoir comment gérer les réseaux sociaux, donc on a besoin des community managers, on a besoin de marketing managers et tous ces gens-là. Et on est là pour former ces genres de personnes pour qu'ils puissent aller, comme vous avez bien dit au début, on a aussi des artistes au fait. Comment un artiste doit manager sa carrière et tout ça. On est là vraiment pour... faire sortir le potentiel congolais, au fait, parce qu'il y a le potentiel congolais, le faire sortir et tous à la netiba ninga mususu bazala kanaba poto et tout ça, au sentir que mutu vraiment azo vivre na oyo azo ça la biloko mususu te apart, tu vois. Donc c'est au fait ça le but du projet Yekola. Donc on est venu à la télé pour dire aux gens que Yekola arrive et il faut l'accompagner. Il faut le soutenir de toutes les manières, au fait. Mais il faut beaucoup de bruit aussi pour que les gens s'intéressent à vous. Je ne sais pas, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, beaucoup de boulot, c'est... Oui, c'est vrai. Voilà pourquoi on va lancer le projet avec la soirée. Okay. Pendant l'été, donc pendant les grandes vacances, on va commencer avec la première phase des formations. Parce qu'on a quand même sélectionné quelques jeunes déjà avec qui on va travailler. C'est vrai qu'on ne peut pas travailler avec beaucoup, on n'a pas beaucoup de moyens en fait. Donc on va commencer comme ça et après, petit à petit, vraiment s'installer dans peut-être dans 10 ans, mettre des grosses structures ici à Kinshasa pour vraiment former les gens professionnellement. Parce qu'au fait, l'esprit américain chez les Américains, au fait, il y a des gens qui ont des diplômes. Mais tout le monde ne peut pas avoir des diplômes, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas. Donc il faut valoriser ces gens-là qui sont dans l'artisanat, dans plusieurs métiers. Au fait, donc rélever tout le monde. Et c'est comme ça que le pays va monter de l'avant. Ça va, ok, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter. Nous allons prendre, frère, un dernier mot, un dernier message. Et puis nous allons clôturer avec cela. Ajouter un truc pour
les personnes qui vont vous suivre également. Ouais, pour les personnes qui vont hein. Pour les personnes qui vont nous suivre. Bon, pour les personnes qui vont nous suivre, nous vous invitons à la soirée IECOLA du 28 février. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose dans IECOLA. J'ai été à l'université, j'ai passé carrément 6 ans et demi, 7 ans à l'université. Surtout une équipe. Oui. Et il y a des problèmes où tu te rends compte qu'il y a un qui passe 6 ans à l'université, mais après il commence à vendre du crédit, il commence à faire. Mais il y a l'autre qui n'a même pas été à l'université, mais qui sait très bien coudre, qui sait faire quelque chose. Et gagne sa vie mieux que celui qui a passé ses 7 ans. Quand tu calcules le coût de ses 7 ans ou de ses 10 ans à l'université et le coût que l'autre a passé un mois. Moi, je veux que quelqu'un prenne la coiffure en un mois et il se débrouille bien dans un salon de coiffure. Donc, IECOLA vient pour permettre aussi à ceux-là qui n'ont pas de moyens et aussi pour ceux-là qui vont à l'université, mais peut-être n'ont pas eu l'occasion de bien se former pour les apprendre encore à bien maîtriser leur domaine et être utile et aussi autonome financièrement. Merci beaucoup. Je crois que c'est votre dernier message aussi. Tonton, vous avez un mot encore à ajouter parce que nous faisons ça. C'est d'inviter tout le monde. C'est le 28 février à 17h à la Perle de Sainte-Anne, juste derrière la CNI. Donc on vous attend, il faut venir. On va présenter les projets en détail, on va donner les pistes de solutions, on va parler du projet dans 5, 10, 20 ans et tout ça. Donc, Bouya Binonioso, Kouyoka Oyo Yekola, Alengeli Ponabino. Merci beaucoup. Nous aurons un dernier message. Oui, pour ne pas redire ce que mes amis ont dit, nous vous invitons tous à venir les 28 écouter ce qu'est Yekola et venir soutenir ces enfants qui ont besoin de votre aide, venir soutenir ces enfants qui sont démunis, mais qui ne savent pas comment évoluer. Et Ninga Kolobezate, Baya Kaka. Baya. Merci beaucoup. Stella, nous concluons avec vous également. Et un dernier message. Et puis, les structures ici à Kinshasa, les bureaux sont où? Ou bien, jusque-là, il y a un numéro de contact, si vous pouvez donner tous ces détails-là. Merci à vous d'abord de nous avoir reçus. Vraiment, merci beaucoup. En fait, vous pouvez nous trouver sur Facebook, c'est Bilingue Boigna. On est sur Instagram, Bilingue Boigna aussi. Et on est sur Twitter, Bilingue Boigna aussi. Et notre numéro de contact se trouve sur notre Facebook. Mais je vais laisser Jirey donner son numéro ou Lionel. Ils peuvent nous contacter sur ces numéros-là. Et aussi, il y avait une autre question. Salut. Juste ça, et puis on conclut avec vous un message à lancer. Ok, comme ils ont dit, on vous attend le 28 février. Soyez là. Si vous avez, parce que c'est sur invitation, alors qu'ils nous écrivent sur Facebook ou Instagram. On va passer l'invitation. Sur notre flyer, s'il y a même le numéro WhatsApp, où ils peuvent nous contacter pour recevoir une invitation. Alors, ils sont tous invités à venir. Ça nous tient vraiment à cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait parce qu'on veut être star ou s'enrichir. C'est parce qu'on voit le besoin qu'il y a dans notre pays. Et c'est pour ça que nous le faisons. Merci beaucoup. Vous donnez le numéro. C'est le plus 243-81-416-468. Ok, répétez encore. Plus 243-81-416-468 à la fin. Ok, merci beaucoup. Et je crois que nous avons conclu avec vous. On se retrouvera peut-être, si Dieu le veut, et après l'événement, après le 28, et pour voir le feedback, le retombé de ce qui a été l'événement IECOLA. Un grand merci. Freddy Manzaka, merci à vous également. Et merci à Nikis, Vienanga Nikis, merci énormément d'être là. Et merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Vous avez apprécié, vous avez aimé. Pour joindre, peut-être vous n'avez pas pu enregistrer le numéro. Contactez-moi, le numéro juste au bas de vos postes téléviseurs. Et je veux vous repasser le numéro s'il le faut. Et puis carrément, vous avez besoin de passer aussi à l'émission. Nos numéros sont là. Contactez-nous, nous allons vous recevoir également dans cette émission. Merci à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à Naïe, attends, à la communauté. Léon, on a attends, à la communauté. À l'équipe, à Azima Banga Trout. Merci à vous également. On se retrouve la semaine prochaine, tous sur Numéka Télévision. Bye bye.